Adichats, mes chers amis golfeurs, Adichats. Bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. On va parler de putter. Alors, pour être tout à fait honnête, ça fait longtemps que je sais qu'en 10 ans de production de vidéos YouTube, je n'ai jamais fait une seule vidéo sur le putting. Alors, pas tellement que je voulais pas, c'est que j'avais dès le début bien compris que cet outil serait ce que j'appelle le dernier chapitre. Alors, en tout cas, le dernier chapitre qui rejoint le Arnaud golfeur qui a travaillé énormément son driving, son jeu de fer, son wedging. Et le dernier chapitre, c'est le putting, le plus important. Un jeu dans le jeu, disent certains, et ils ont tout à fait raison. Un jeu dans le jeu. Et c'est sans surprise que, bien sûr, nous avons un outil des plus énigmatiques entre les mains. Enfin, énigmatique. Énigmatique dans le sens où, de tous les clubs qui composent un sac, c'est bien celui qui pousse le raisonnement du sur-mesure le plus loin. Le plus loin, parce que j'ai désormais à mon actif pas mal de fitting de putter depuis 10 ans. Or, j'en ai moins que des fers, des wedges, des bois. Curieusement, mais ça c'est une autre question. La plupart des golfeurs que je vois s'estiment très heureux avec leur putter, donc je n'y touche pas. Mais ceux pour lesquels j'ai fait un fitting, c'est vrai qu'à chaque fois on se rend compte que toutes les règles volent en éclats, parce que ici, il n'y a plus beaucoup de bon sens. Il y en a, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans le sens où c'est un outil totalement unique que l'on doit s'approprier, que l'on soit grand, que l'on soit petit, que l'on soit penché, que l'on se tienne droit, qu'on ait un tempo rapide, un tempo lent, qu'on joue sur des greens lents, sur des greens rapides. Qu'on ait telle ou telle façon de se positionner devant la balle, tel système de visée. Chaque golfeur que je reçois en fitting de putter, moi, j'ai déjà évoqué cette notion de page blanche, mais là, c'est même plus une page blanche, hein, c'est une page transparente, un miroir que l'on va essayer de trouver par rapport à ce golfeur, cette golfeuse, et essayer de lui apporter un outil unique, mais qui va demander, et ça va être l'objet de ma vidéo aujourd'hui, puisque je vais vous montrer la fabrication de mon putter. Enfin, plutôt, là j'en suis au quatrième démontage-remontage, hein, pour vous donner une idée. Parce que des subtilités s'ajoutent, des éléments de recherche s'ajoutent, qui corroborent certaines choses. Un club de golf, vous le savez, c'est trois composants. Une tête, un shaft, un grip. Pour un putter, bien sûr, la même chose, mais j'ai envie de dire que les nuances que l'on peut apporter à chacun de ces composants est bien plus importante que pour un wedge, que pour un fer 7, que pour un driver. Alors, je vais vous prendre juste un exemple. Le grip. Le grip est une variable clé d'un putting régulier, d'un bon putting, du feeling. Et moi, comme d'autres, il y a de cela pas mal d'années, et par goût de l'expérimentation, parce que ça fait partie aussi de mon métier, enfin ça fait partie de mon métier d'expérimenter des choses et d'en tirer des conclusions, ben, je suis tombé dans la mode des très gros grips de putter. J'ai essayé. J'y ai vu certains avantages, mais finalement, j'y ai surtout vu beaucoup d'inconvénients. Et là, le putter que je m'apprête à monter, ici, à l'atelier, finalement, l'étincelle, enfin, une des étincelles est venue du putter de ma fille, que je lui ai monté, c'est un tout petit putter, hein, que je l'avais monté il y a quelques temps de cela, et il faut que je le rallonge. Donc. Mais quand j'ai pris son grip, qui est un grip le plus fin possible, je me suis rendu compte que mes mains se positionnaient toutes seules, tout de suite, sans réfléchir. Boum! Le putter que je voulais, avec les deux pouces
exactement là où je veux. Mes paumes de main qui viennent s'entrelacer naturellement. Enfin bref, énormément de feeling avec ces deux doigts. Et pour la petite anecdote, c'est une anecdote véridique, hein, de Scotty Cameron, qui discutait avec Brad Faxon dans les années 90. Brad Faxon, vénéré, c'est un des plus grands putters de l'histoire du golf. Et Scotty Cameron lui disait que il parlait de touch, il parlait de feeling. Quels sont les éléments de feeling les plus importants quand on putte par rapport à ses mains, hein. Alors on pourra arguer qu'il ne faut surtout pas se servir de ses mains. Bon, ça on en reparlera. Mais en tout cas, Scotty Cameron dit à Brad Faxon, il dit, écoute, quand tu prends une pièce de monnaie dans ta poche droite de pantalon, comment tu vas la sortir? Comme ça. Avec ses deux doigts. Le pouce, et puis celui-ci. Donc, selon Scotty Cameron, ce contact sur un grip entre le pouce et ce petit doigt ici, la fameuse gâchette, hein, le pouce, la gâchette, est extrêmement important. Extrêmement important. Parenthèse refermée. Et je vous disais donc que c'est en prenant ce putter de ma fille entre les doigts que je me suis dit, mince. Je parlais de préférence naturelle lors de ma précédente vidéo. Là, je peux vous le dire, moi qui ai l'habitude de faire des allers-retours, d'essayer des choses, etc., des extrêmes, ah, c'est une évidence. C'est une évidence. Là, je me sens bien. Je me sens bien sur un grip extrêmement fin. Par rapport à ça d'ailleurs, gros grip, grip fin, même si les gros grips sont toujours très à la mode, hein, les fameux super strokes que vous connaissez tous. Hein. Là, j'en ai un et encore, il est pas trop pépé celui-là. Mais ça voilà, là je ne sais plus vraiment comment placer mes doigts. Là, ça, vous voyez, il y a une espèce de bâillement. Il faut que je force pour retrouver cet équilibre. Forcer au putting, c'est pas très bon. Hein. Mais je suis pas en train de dire que c'est mauvais, hein, les gros grips. Hein. Il est évident que pour beaucoup de golfeurs, ça marche. Qui ont un autre grip que moi, en plus, grip inversé, etc., en pince. Mais enfin, si on regarde quand même l'histoire du golf et du putting, on s'apercevra que les plus grands putters de l'histoire, à commencer par Tiger Woods, hein, ont tous joué des grips très fins. Des grips très fins. Bon, là aussi, parenthèse refermée, mais... Donc, les grips sont très importants. Les shafts, je vais en parler lorsque je vais monter mon putter très important, et puis les têtes évidemment super importantes. Et au-delà de ça, tous les ingrédients, bien sûr, tous les paramètres à étudier lors d'un fitting qui sont extrêmement importants. La longueur du putter, bon, ça y est, moi j'ai peaufiné la longueur exacte qui me correspond. Je suis bien. Je suis un tout petit peu en dessous de 34 pouces parce que je me tiens quand même assez droit. L'équilibrage, j'ai passé encore 2 heures sur ma moquette hier à faire des allers-retours avec le fameux rouleau de plomb, fameux rouleau de plomb qui permet de ben justement de chercher le swing weight, le poids en tête optimal. Là aussi, il y aurait énormément de choses à dire, hein, sur l'évolution de l'équilibrage des putters. Savoir que autrefois, et ça, j'en ai eu la confirmation 2 ou 3 fois lorsque j'ai démonté des vieux putters des années 70-80, les têtes étaient beaucoup plus légères. Alors on dira que oui, parce que justement, ils jouaient sur des greens plus lents qu'aujourd'hui. Oui, c'est une des raisons. C'est une des raisons possibles, probables. Mais c'est vrai que les putters sont allés, si on regarde l'évolution, vers des têtes de plus en plus lourdes. Des têtes de plus en plus lourdes, des heavy putters. Et derrière, qui dit tête de plus en plus lourde, dit shaft de plus en plus raide pour soutenir ce poids justement, parce qu'on va en parler, du flex, du shaft de putter. On pourrait penser que le flex n'a strictement aucune incidence. Pas sûr, pas sûr. Si on regarde sur Google, il y a des avis très partagés sur la question. Des grands champions qui voulaient un type de flex très particulier. Ah, ici, le mien, je vais vous le dire tout de suite. Hein. Je vais m'inspirer de. Je l'ai essayé, hein, mais je vais m'inspirer de Greg Norman. Greg Norman qui voulait un shaft de putter de fer 3. Shaft de fer 3. Alors, relativement souple. Alors, c'est pas que. Il n'y a pas de vitesse. Il y a. Putting, on est entre 4, 5, 6 miles à l'heure. Enfin, je veux dire, c'est dérisoire par rapport à la vitesse même d'un pitching wedge.
Mais c'est pas tellement en termes de vitesse de club qu'il faut raisonner, c'est en termes de vibration. Et j'ai expérimenté là aussi un shaft de putter junior, donc beaucoup plus souple, plus léger également. Et tout de suite, j'ai pu sentir une différence. J'ai pu sentir notamment un élément clé qui est le passage, la transition. On parle beaucoup de transition sur un swing de golf, mais la transition sur un putt, le passage de la fin du backswing au downswing, me semble très importante. C'est quelque chose, en tout cas, qui m'a interpellé. Et moi, je veux une transition la plus douce possible. Voilà. Et je pense qu'un shaft plus léger, plus souple, pourra un petit peu, m'y aider. Voilà. Quant à la tête, évidemment, composante clé d'un putter, bon, là, ici, je ne vais pas vous faire de surprise, hein, vous le savez, moi je joue des lames sur mes fers, donc c'est vraiment pas par arrogance ni quoi que ce soit que j'ai décidé de jouer ça, une lame, mais c'est primo, parce que visuellement, ça m'a toujours plu, toujours plu. Et puis j'étais passé à autre chose, j'ai joué des maillets, des grosses têtes, etc. Mais pas d'amélioration, j'ai jamais vu d'amélioration dans mon putting. Donc aujourd'hui, je me suis dit, Arnaud, bon, ben, s'il n'y a pas vraiment d'amélioration, autant que tu ailles vers une préférence visuelle, voilà, d'un objet ultra simple, sans ligne, sans rien, voilà, qui est très doux en plus, c'est forgé, c'est magnifique, hein. C'est une tête de chez KZG que j'ai acheté, c'est très très doux. Et puis surtout, et là, je crois que c'est là que mon métier de clubmaker intervient, c'est que cette tête, ah, je peux la tordre dans tous les sens, hein. Upright, flat, etc. C'est ce qui s'est passé, hein. Moi, j'ai besoin d'une tête à peu près, je crois de mémoire, 3 degrés flat. Bon, bah, il est évident que c'est ultra simple à tordre, ça. Donc on peut faire des expérimentations faciles, des allers-retours. Bien comprendre que des putters, il y a deux types de putters, hein. Vous avez des putters avec des hosels, comme ça, avec du métal que l'on peut tordre, puis des putters que l'on peut pas tordre. Putter ici avec le shaft qui est dans la tête. En fait, la seule chose qu'on peut tordre, c'est le shaft. Et c'est beaucoup plus difficile à faire. C'est faisable, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. Alors, je connais même des clubmakers qui ne veulent pas le faire. Voilà. Parce que le risque est de casser le shaft, etc. Bon. Donc voilà. Donc tout ça mis bout à bout. Moi, je me suis dit, Arnaud, vas-y, joue une lame. Bon. Donc je vais me monter mon putter sous vos yeux. Et puis avant de vous montrer ça, donc pour conclure sur cette idée de putting, ce fameux dernier chapitre, rassurez-vous, hein, il y aura d'autres vidéos, j'espère. Mais dernier chapitre en ce qui me concerne de l'évolution de mon golf, que je dois absolument peaufiner. Et je sais que pour cela, j'ai besoin d'un outil le plus adapté possible, le meilleur possible. Voilà, après à moi de travailler. Et pour conclure sur ce thème, donc j'ai décidé de faire une série de vidéos avec des experts. Donc dimanche, je vais à la rencontre d'un designer français de putter. J'en dis pas plus. Je serai en Dordogne, au Vigier. J'irai ensuite à la rencontre d'un ancien professionnel du Tour, qui a un putter extrêmement particulier, qu'il vous présentera. Voilà, il y a ces deux-là dans ma tête. Et puis, on verra pour la suite. Il y en aura très certainement d'autres. À tout de suite à l'atelier. Alors, construction en direct de mon putter. J'attends le grip en fait, hein, mais je sais quel poids il va faire. Donc j'ai un grip de 60 grammes. Moi, je sais que mon putter, voilà les ingrédients clés que je veux. Je veux une longueur de 33,85 et je veux un swing weight de D2. Très arrogant parce que c'est le swing weight de Tiger Woods, vous voyez, qui est beaucoup plus léger que la plupart des golfeurs sur le tour. Alors, swing weight, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y a une espèce de fourchette, hein, qui est reconnue depuis longtemps, bon, qui dit qu'un putter doit, le swing weight d'un putter devrait évoluer entre C8 et E0. Ouais, ça fait une, comme le dit Gad Elmaleh, c'est plus une fourchette, c'est un râteau. Hein, mais donc oui, là il y a toutes les préférences possibles, il y en a même qui vont au-delà de E0. Hein. Je crois que c'est John Rahm qui a un putter extrêmement lourd. Rory, j'avais lu, un putter en D1, donc plutôt léger en tête, hein, à moins qu'il ait changé depuis, mais c'est ce que j'avais vu en tout cas sur un forum américain. Voilà, moi j'ai expérimenté.
comme d'habitude, sans me poser de questions, en mettant du plomb jusqu'à ce que je trouve l'équilibrage que je souhaite. Et c'est en D2, en tout cas sur la moquette. Alors je sais, sur la moquette, c'est pas un green, mais c'est là où j'avais les meilleures sensations. Donc voilà, on verra bien. Puis s'il le faut, c'est aussi l'avantage de ce putter, c'est que ben, c'est très facile de sortir le shaft, de remettre encore un peu de plomb, de recoller, bon, très rapide. C'est vrai que l'un putter, ça c'est, il faut quand même le dire, c'est un outil extrêmement facile à démonter, remonter. À l'inverse des autres clubs, hein. C'est beaucoup plus laborieux. Voilà. Puis c'est du métal, donc le shaft ne s'abîme pas. Hein, ça, il faut le savoir. À chaque fois qu'on démonte un driver en graphite, le shaft en prend un coup. Hein. Donc, un shaft de driver, ça se démonte deux fois maximum. Pour moi. Hein. Après, là, c'est, oui, c'est le risque de casse, quoi. Bon. Alors, je vais donc m'occuper de mon putter. Donc, je vais commencer par le couper à la bonne longueur. Voilà. Ça va aller assez vite. Hop. Hop. Alors, je suis curieux de savoir quel poids ce shaft va faire. Donc, shaft de fer 3, hein, en régular. Alors, je pense qu'on devrait tomber à 80, voilà, 75 grammes, bien en dessous de la norme. En principe, c'est plutôt entre 90 et 110 grammes, hein, les shafts de putter. 75, très léger, mais ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas du tout. Je vais devoir rajouter un peu plus de poids dans la tête. Ça devrait être pas mal, ça. Donc là, le test va être vite fait, hein. Je vais chercher un grip de 60 grammes et je reviens. Voilà, j'ai trouvé un grip de 60 grammes. Hop, on va le poser. Je vais mettre mon putter. Voilà, hop, et je vais regarder le swing weight que ça donne. Ok, donc comme vous l'avez constaté, une tête qui fait 347,8 grammes. Et pour atteindre mon D2, eh bien, il va falloir que je rajoute 3 grammes. Pas grand-chose en fait, hein. Voilà, et je vais les rajouter avec du tungstène, de la poudre de tungstène, qui est une très haute densité, hein. Voilà, ça ressemble à ça. Poudre de tungstène, que je vais donc insérer dans le housle de ma tête, hein, coller. Mettre une jolie petite férule. Jolie petite férule sur cette tête à l'ancienne. Voilà. Et je devrais obtenir mon D2. Voilà. Donc voilà. Oui, c'est assez rapide. C'est assez rapide, évidemment, quand on sait exactement ce que l'on cherche. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche au golf des Vigiers pour une prochaine vidéo avec l'invité surprise. Enfin, l'invité. C'est plutôt moi qui m'invite, hein. À la rencontre donc d'un designer de putter made in France en plus. À très bientôt, merci de votre attention.